Si mes calculs sont corrects, on a fait 2000 kilomètres. J'espère qu'on y est bientôt. Ils perdent de l'altitude. On dirait qu'il va atterrir. Pixie, il n'y aura pas de contrôle de sécurité? Vaisseau non identifié, que faites-vous dans notre espace aérien? Votre appareil n'est pas dans nos registres. Vaisseau non identifié, vous me recevez? Répondez. Ouais, ouais, je vous reçois. Vaisseau non identifié, pourquoi êtes-vous en phase d'atterrissage? On a eu un petit problème. Des turbulences. Des turbulences? Ah, c'est ça, des turbulences. Oui, monsieur. Personne d'autre n'a signalé de turbulences. Et on nous a appris que des transports avaient été suivis par un vaisseau inconnu. Vraiment? Comme c'est bizarre. Personne ne m'a mis au courant de cette histoire. Vaisseau non identifié, transmettez votre matricule. Notre matricule? Affirmatif. Veuillez le transmettre, ou nous devrons vous considérer comme hostile, et nous ouvrirons le feu. Bien reçu. Oui, juste une minute. Mon matricule est... 1. Hein? Oui. Ensuite? 2. Hé, ça a marché. Tu viens ou quoi? Ouais. Non. C'est intime. Ouais. Au moins cette fois, j'ai la chance d'être à l'intérieur. Monkey, tu veux bien bouger ta main gauche d'un chouïa? Je vois vraiment pas comment je pourrais. Parce qu'elle est... juste sur mon... pénis. Ça fait mal. Pixie, t'es sûr de ton coup? Il est vraiment là, ce Léviathan? Oh, aucun doute là-dessus. Tu verras, ça va être énorme. Il est là. Ok. Il y a un terminal. Voyons ce que je peux trouver. Apparemment, les sous-marins sont dans une sorte de hangar. Derrière cette porte. Allez, jeter un coup d'œil. Je reste au terminal, en attendant. Bingo! Alors... voyons. Il est sur des sortes de rails. Hey, les rails mènent à cette porte. C'est probablement le sas. Faut qu'on amène le sous-marin là-bas et qu'on ouvre ce sas. Ok, je te marque les commandes de la porte. No problemo. Les ordinateurs, ça me connaît, tu sais. Laisse-moi faire.
paniquons pas. On va faire comme au bon vieux temps. Je vais poser des charges pour faire sauter la porte. Monkey, occupe-toi de mettre le sous-marin en position. Je compte sur vous. Je vais voir ce que je peux faire avec ces commandes. Alors, je peux le faire avancer et changer sa direction. Mais l'ensemble de la structure bougera en même temps. Donc, il faut que tu alignes tout comme il faut, Monkey. Ok, mets les gaz. Danger, collision. Le sous-marin est coincé. Attends. Il y a des plaques tournantes de chaque côté de la pièce. Elles servent à faire pivoter les segments. Recule. Trip, recule. Danger, collision. Avance. Avance. Danger, collision. Ok, Trip, recule. Avance. Danger, collision. Recule. Et recule. Danger, collision. Avance. Danger, collision. Huh?
À votre avis, pourquoi Pyramide construit ce Léviathan? Parce que c'est l'arme ultime. Ils pourront écraser tous ceux qui s'opposent à eux. L'ironie, c'est que c'est nous qui allons les écraser avec. Recule. Je peux pas monter! Tu vas devoir suivre le sous-marin à pied! Recule! Pixie va faire exploser la porte! D'après les données, il va falloir qu'on conduise le sous-marin jusqu'au SAS. C'est là qu'il pourra s'immerger. Ça paraît plutôt simple. S'il y a un truc que j'ai appris ces derniers jours, c'est que c'est jamais simple. Oh. Oh, regardez un peu tous ces robots. On est repérés. Trip, ouvre les coutilles. C'est plus sûr à l'intérieur. Je sais. Ok, je m'en occupe. Ok, Trip, je suis au terminal. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Appuie sur le bouton bleu. Rien, ça marche pas. T'as essayé de l'éteindre et de le rallumer? Non, attends deux secondes. Il était pas allumé, en fait. T'en es où avec les coutilles, Pixie? J'y travaille! Dépêche un peu! Ah!
J'arrive, Pixie. Accroche-toi, ça va aller. C'est vite dit. Allumé, mais il se passe rien. Bon, dans ce cas, tu dois activer l'algorithme fréquentiel de la baie 5. Mais n'efface pas l'interface primaire, sinon le sous-niveau se rebouclera. L'interface... Alors là, je me tâte. Bizarre. Je vois des petites lumières autour de moi. C'est joli. J'ai les lèvres qui picotent. Je crois que je vais vomir. C'est possible de vomir quand on a la tête en bas? C'est dangereux? Je risque rien, hein? Monkey, je crois que tu ferais mieux de t'écarter. Non, c'est bon. J'ai tout ravalé.
Je crois que j'ai du mal à digérer ce fromage. Quoi, Pixie? C'est l'occasion rêvée d'apprendre! Monkey! Faut que tu me sauves! Au secours! Sauver la vie, ça veut dire qu'on est quitte. Quitte? Tu te fous de moi ou quoi? Depuis que je t'ai rencontré, t'as pas arrêté de... Oh, laisse tomber. Je suis coincé! Ferme-la et rentre.